Bonjour à tous. Prochain travail. Remplacement du port de chargement sur un iPad mini 4. La cliente va l'apporter parce qu'elle n'est même plus capable de rentrer un câble ici. J'ai reçu le câble de chargement ici, le port de chargement. C'est un job vraiment minutieux. Il faut faire attention quand on fait ça. Parce que c'est soudé, là, puis c'est minuscule. Je vais probablement travailler une partie avec mon microscope pour que je puisse voir comme il faut. Où j'ai enlevé la carte mère au complet de là, la retirer, puis après ça, travailler dessus pour remplacer le port de chargement. Ça fait que, allons-y, on remplace ça. Première étape, enlever l'écran de là, au complet. Là, je m'en dis, on s'assure qu'il est éteint, mais il y avait la batterie totale complètement. Ah, même pas, il allume. La batterie s'est rechargée un peu. Il ne marchera pas longtemps parce que la batterie est complètement à terre, je me dis. On éteint ça. Il est à 6% la batterie. Et voilà. On vient chauffer ça. Voilà. On va démonter ça. Hop là. Et grève à lui. Maintenant, ça ici. Avec de la patience, j'ai retiré un carte-mère. Le câble est ici. Lui, il est soudé en dessous, là. C'est vraiment minuscule, là. Donc, il faut que j'aille dessouder ça. Il y a une façon de dessouder ça, en plus, pour ne pas avoir de misère. Donc, je vais y aller lentement. On va retirer ça. On va pouvoir remettre celui-là en place. Et voilà. Le vieux l'est retiré.
C'est nettoyé. Maintenant, je vais y aller au microscope. Bon, ben, le nouveau est reposé. Il va rester à remonter tout ça en place. À coller après. Tiens, on va pouvoir mettre le nouveau port à chargement après. On va pouvoir charger à nouveau. Je remonte tout ça. Bon, ben, et voilà. Je viens de rebrancher le câble dessus pour voir si ça fonctionnait. Et ça fonctionne. Mon chargeur est à 0.46, 0.45 ampères, 0.44. Il est en train de charger. Je vérifie, je m'assure que tout fonctionne. Et oui, tout fonctionne. Il est à 1.13 ampères. Fait que ça fonctionne parfaitement. Je recolle tout ça en place, puis je le laisse sécher, puis le lendemain matin, je remets ça au client. Merci.